Peuvent, euh, qui peuvent euh, éveiller l'attention. Euh, la piste d'une souffrance hépatique est peut-être probable. Écoutez bien la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie. Et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute Bonjour à tous. Et si pour ce nouvel épisode, nous nous intéressions à un organe ultra important Saviez-vous que le foie est le seul organe qui se régénère Par contre, si on ne lui laisse aucun répit, il ne pourra plus remplir ce rôle de reconstruction et là, ça peut amener à certains troubles et maladies. Dans ma pratique régulière en tant que naturopathe, je dirais que j'ai environ 30 à 50 des patients qui se présentent avec justement des troubles hépatiques fonctionnels. À la différence des troubles hépatiques pathologiques, c'est-à-dire des hépatites, les cirrhoses, les calculs biliaires, etc., le foie n'est pas malade dans les troubles fonctionnels, mais il est en souffrance. Il exprime par différents signes, d'ailleurs, cette souffrance et ce fonctionnement qui est non optimal pour lui. Alors, ok, on n'a qu'une vie, mais aussi on n'a surtout qu'un foie. Alors, je pense qu'il est important d'en prendre soin. Si vous êtes intéressé par le sujet, alors suivez-moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous lire et vous partager le commentaire de Mélanie, reçu sur mon compte Instagram, qui me dit ⁇ Bonjour Alexandra, c'est grâce à votre podcast que j'ai fait votre connaissance et j'en suis ravie. Je commence mon rééquilibrage alimentaire et vos conseils sont juste topissimes. ⁇ eh bien, merci beaucoup Mélanie d'avoir pris quelques minutes pour me partager ces quelques mots qui m'ont donné vraiment le sourire. J'adore recevoir tous vos petits mots euh, qui me motivent au quotidien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à me laisser également un commentaire comme Mélanie sur Apple Podcast ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Natural, ou encore via mon site internet hygiènedevie.fr. Euh, je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. D'ailleurs, je souhaite également ajouter euh, que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Hygiène de vie. Vous aurez également le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je partage euh, quasiment quotidiennement des astuces, euh, des conseils, mais également quelques recettes euh, sympathiques. Et c'est un vrai espace d'échange où chaque membre peut s'exprimer et poser ses questions. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute Alors, pour commencer, à quoi sert le foie Alors, le foie, c'est l'un des organes euh, les plus importants du corps, bien qu'effectivement... On a quand même, on va dire que tous nos organes sont importants, mais autant que le cœur, le cerveau et les poumons. C'est lui qui est chargé d'éliminer les toxines dans le sang présentes dans le sang, qui va aussi gérer les différents surplus de sucre avec le pancréas et notamment l'insuline qui est sécrétée. Il permet également, donc, c'est un organe important de la digestion, donc il permet de digérer les graisses avec la bile. Euh, il permet également de fabriquer et de stocker euh, certains éléments indispensables pour notre métabolisme et notre système immunitaire. en naturopathie, le foie est appelé euh, émonctoire. donc ce n'est pas le seul. On a, on a différents émonctoires qui sont chargés justement d'éliminer les toxines mais le foie en fait partie et il est important. D'ailleurs, je pense faire d'autres épisodes sur les émonctoires. Pourquoi pas un épisode dédié par émonctoire, comme là je le fais pour le foie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message. Comment savoir si on a le foie fatigué Alors il y a différents signes qui permettent d'éveiller les soupçons, euh, comme par exemple euh, le fait d'avoir des ballonnements, euh, des sensations de ventre gonflées euh, de manière systématique après les repas sans pour autant avoir... Trop manger. Euh, le fait également d'avoir euh, du dégoût euh, pour certaines odeurs, euh, pour euh, certains euh, aliments, en particulier les œufs ou le poisson. Euh, le fait également d'avoir euh, des urines foncées. Alors, euh, pour ce point-là, je précise que d'avoir les urines foncées au réveil, c'est tout à fait normal et c'est preuve que les reins fonctionnent bien et qu'il y a eu une bonne élimination justement des différentes toxines durant la nuit. Néanmoins, si les urines restent foncées toute la journée et ce, plusieurs jours, ça peut être un, un indice. Le fait d'avoir les selles qui soient claires, d'avoir des douleurs chroniques, notamment entre les omoplates, un peu comme des petites pointes. Euh, qui, euh, qui ne cesse pas en fait malgré des traitements ou des massages. Le fait d'avoir une alternance également entre la constipation, euh, la diarrhée, euh, ou encore des réveils nocturnes euh, chroniques, donc quand je dis chronique, ça veut dire à répétition, euh, entre 1h et 3h euh, du matin. Pourquoi Parce que d'ailleurs je l'avais déjà énoncé dans un, dans un précédent euh, épisode, l'un des premiers épisodes, on a une horloge biologique et durant la nuit, il euh, y a des organes qui vont se régénérer à des moments bien euh, précis. Et du coup, le foie, c'est justement euh, entre 1h et 3h du matin qui va euh, se ré régénérer. Donc si vous avez des réveils nocturnes chroniques à ce moment-là, euh, ça peut également être signe d'un foie qui est potentiellement en souffrance. Euh, le fait aussi d'avoir des tendinites euh, chroniques de l'épaule, qui pareil ne, ne, ne cessent pas malgré des anti-inflammatoires, euh, le kiné, euh, certains baumes, des huiles essentielles, etc. Euh, le fait d'avoir des intolérances assez marquées euh, à l'alcool, euh, comme des sensations euh, nauséuses ou euh, des maux de tête assez important et fulgurant après seulement peut-être un ou deux verres de vin par exemple même si je ne recommande pas d'en boire plus mais en tout cas si systématiquement après un verre de vin vous avez ce type de signe, pareil posez-vous la question concernant la santé de votre foie d'avoir aussi les troubles de la vésicule biliaire donc par exemple des calculs des inflammations le fait aussi potentiellement que vous ayez la peau qui soit terne le blanc de l'œil qui vire un petit peu vers le jaune une prise de poids assez importante et soudaine sans trop d'explications et de la cellulite soudaine alors la cellulite c'est tout à fait c'est un processus tout à fait normal je souhaite insister sur ce point-là et ne pas engendrer des complexes qui n'auraient pas lieu néanmoins le fait d'avoir une cellulite qui, euh, qui, qui change en fait, euh, qui passe peut-être d'une phase 2 à une phase 3 ou d'une phase 1 à une phase 2 de manière assez soudaine sans trop d'explications, peut être aussi le signe que le foie euh, est un peu fatigué, euh, les maux de tête voilà, euh, assez, euh, assez répétitifs ou encore une faiblesse du système immunitaire, par exemple avec des allergies qui, euh, qui arrivent, du psoriasis, de l'asthme, etc ou encore tout simplement des grosses fatigues chroniques sans trop d'explications non plus. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de signes hein, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, éveiller l'attention. Euh, et si vous vous reconnaissez avec au moins trois signes, trois de ces signes-là, la piste d'une souffrance hépatique est peut-être probable. Et donc euh, bah, commencez à vous poser des questions et euh, écoutez bien la suite de l'épisode. Alors les causes les plus courantes d'une souffrance hépatique, euh, ça peut être à cause du froid, donc souvent en période hivernale, ou euh, du stress. Euh, ça, le stress, bon, on sait très bien que les émotions jouent un, un rôle énorme dans beaucoup euh, de troubles, euh, mais le foie est un, est un organe qui est lié à, à, à quelques émotions, notamment euh, la colère. Euh, donc euh, essayez de vous poser la question si euh, vous êtes n'êtes pas dans une situation où voilà, vous avez une colère intérieure qui n'arrive pas à s'exprimer par exemple. Euh, si c'est le cas, dans ce cas, essayez euh, bah, d'apprendre à accepter, à gérer votre émotion. Euh, Peut-être approchez-vous euh, d'un psychothérapeute ou d'un psychologue. Euh, Essayez-vous à la sophrologie, à la méditation pour essayer de vous relaxer. Euh, accueillez aussi l'émotion pour essayer de la comprendre. Et puis, bah, essayez de soutenir en même temps votre foi. Pour faciliter justement euh, bah, la gestion de cette émotion. L'accumulation aussi de toxines et de toxiques, notamment les médicaments, le tabac, euh, bah, une certaine malbouffe, euh, l'alcool euh, assez importante à répétition, peut euh, aussi être des causes euh, d'une souffrance hépatique ou encore bah, l'hépatite également. Alors on va voir maintenant comment on peut essayer de chouchouter euh, son foie et euh, d'en prendre soin pour éviter justement d'avoir les troubles que j'ai évoqués euh, juste avant. Euh, bien évidemment, et notamment avec l'approche naturopathique, on, on est beaucoup sur de la prévention et pas sur du curatif, euh, idéalement bien sûr. Donc c'est pour ça que euh, même si vous ne, rec vous ne reconnaissez pas euh, dans bah, les signes que je vous ai évoqués jusqu'à présent, ce que je vais dire euh, maintenant euh, vous concerne également, puisque bah, même si vous avez un foie qui est peut-être en bonne santé aujourd'hui, bah, tant qu'à faire, essayez de le maintenir en bonne santé euh, pour, euh, pour avoir justement une vie euh, plaisante. Alors ce qu'il faut éviter, c'est de limiter tout ce qui va euh, surcharger son activité. Par exemple, euh, les produits euh, laitiers et en particulier le lait animal euh, liquide, donc le lait de vache euh, surtout, euh, sous toutes ses formes et les yaourts. C'est un aliment en fait, le lait de vache qui est pro-inflammatoire et qui aussi, selon sa provenance et, sa, et euh, sa qualité de production, va avoir plus ou moins de toxines, d'antibiotiques, etc. Et donc, ça va des choses qui vont surcharger l'activité du foie. Donc veillez à euh, limiter euh, ce type de produit-là. Également à éviter euh, de trop consommer d'alcool, de tabac aussi, euh, tout ce qui est plat préparé industriel et de manière générale tous les produits qui sont euh, ultra transformés et transformés. Alors pour connaître la différence entre un, un, un aliment transformé, ultra transformé, parce que c'est un petit peu différent, il y a différents, différents types, on va dire, de transformation de l'aliment, euh, n'hésitez pas non plus, j'ai un article sur mon site internet euh, qui vous explique assez euh, simplement et clairement euh, les différentes catégories de transformation des aliments et euh, ça vous permettra peut-être de vous aider à faire euh, vos courses. Également, essayer de limiter tout ce qui est aliment riche en graisse animale, donc charcuterie, fromage à pâte molle par exemple, qui vont être assez compliqués à digérer et donc vont vraiment demander un gros travail de la part du foie. Et également, bah, limiter au maximum tout ce qui est sucre industriel, donc euh, l'alcool y compris, qui euh, bah, en fait, bon, ça, re, ça rejoint la, la partie euh, produits transformés, mais également qui sont euh, plutôt indigestes et qui sont des calories euh, vides. Dernière chose, euh, limiter, on va dire, les gros poissons, euh, qui sont souvent contaminés par des métaux lourds, et donc du coup qui vont bah, demander au foie d'accroître son activité pour essayer justement de mieux gérer. Euh, ces toxines euh, qui sont les métaux lourds qu'on vient, euh, qu vient lui apporter. Alors, de l'autre côté, est-ce qu'il faut mieux privilégier justement bah, Je pense que vous n'allez pas être vraiment surpris ou surprise. C'est tout ce qui est euh, fruits et légumes crus. Bon, déjà, fruits et légumes de manière générale et après, effectivement, apporter du cru pour euh, apporter un maximum de vitamines. C'est ce qui va vraiment permettre au foie de bien fonctionner. Alors, sur la partie crue, je tiens également à préciser, euh, ça ne veut pas dire manger 100% cru. Pourquoi Parce que euh, certaines personnes ne sont pas aptes, on va dire, à bien digérer le cru. Euh, je pense, moi, je suis plus pour un équilibre euh, cru. Et cuit. Par contre, il y a des personnes qui vont effectivement beaucoup plus digérer le cru, d'autres beaucoup moins. Donc, après, c'est vraiment du cas par cas. Encore une fois, c'est en ça que des fois les accompagnements individuels sont intéressants pour vraiment faire des choses et mettre en place des choses qui vous correspondent à vous. Mais euh, en tout cas, gardez à l'esprit qu'effectivement, avoir au minimum une portion de cru. Par jour, que ce soit par un jus de légumes, une petite crudité, etc. Euh, C'est vraiment un très bon euh, automatisme à mettre en place dans votre quotidien. Parmi les fruits et légumes qui sont assez reconnus pour faire du bien à votre foie, on va retrouver euh, le pamplemousse, euh, le radis noir qui est vraiment très efficace, euh, l'artichaut, euh, la betterave, tout ce qui est euh, pissenlit en salade par exemple, donc la fleur de pissenlit, euh, les carottes. Euh, les différents choux, le citron, il y a également la fraise, le brocoli et donc l'épice aussi assez reconnue pour son effet anti-inflammatoire qui est le curcuma, qui, je le rappelle, euh, est, à est à consommer plutôt en même temps que un peu de poivre ou du gingembre pour améliorer son assimilation, en tout cas pour améliorer l'assimilation de la curcumine. Dernière petite chose par rapport au cru, effectivement, manger 100% cru ne fonctionnera pas non plus pour toutes les personnes et ni euh, pour toutes les saisons. Il y a des saisons qui vont être plus ou moins intéressantes, ou en tout cas le cru va être plus ou moins intéressant d'être consommé en majorité. Et puis si je prends la saison hivernale, par exemple, le cru va aller à l'encontre du feu digestif, et donc du coup va demander un travail plus important au niveau du système digestif dont fait partie l'organe, donc le foie. Donc voilà, ça c'est dit par rapport au cru. Encore une fois, renseignez-vous pour votre cas particulier. Donc je disais, tout ce qui est jus de fruits et légumes frais et fait euh, maison euh, donc euh, par exemple à l'extracteur de jus il y a un épisode, alors je ne sais pas s'il sera déjà sorti mais en tout cas il arrivera prochainement s'il n'est pas encore sorti dédié spécialement euh, sur justement les jus de fruits et de légumes frais et faits maison donc je vous invite à aller l'écouter si vous vous posez des questions euh, par rapport à ça ensuite miser sur des acides gras qui soient insaturés donc par exemple tout ce qui est euh, les huiles végétales de première pression à froid et bio, comme l'huile d'olive, les différentes huiles d'oléagineux, donc l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de colza ou encore l'huile d'avocat, qui sont d'excellentes huiles végétales. Au niveau des huiles, tout ne se consomme pas de la même manière, notamment les huiles d'oléagineux, donc l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de chanvre. L'huile de colza sont plutôt à garder au réfrigérateur et à l'abri de la lumière pour ne pas venir... Oxyder les oméga droits qu'elle possède et donc se consomme également plutôt sur des plats froids. Ensuite, le fait aussi également de boire un jus de citron, donc on va dire un demi-jus de citron euh, dans de l'eau tiède, donc pas brûlante parce que sinon on, on, bah, on élimine la vitamine C, ce qui est dommage. Mais euh, voilà, ça, on, boire un petit jus de citron frais avec de l'eau tiède au réveil, quand le système digestif est à jeun, permet en fait euh, d'aider le foie à éliminer les dernières toxines et donc est un bon soutien. Pour euh, ce cas-là, essayez de boire plutôt avec une paille pour ne pas venir abîmer votre émail. Et également, parce qu'en fait le citron est un aliment acide au niveau, euh, on va dire, externe. Quand il est digéré, par contre, il va avoir un, un pouvoir alcalinisant, donc très intéressant. Mais néanmoins, à l'ingestion, il va être acide et donc va agresser à force votre émail. Donc plutôt préférez euh, boire votre jus de citron avec une paille, par exemple. Si certaines personnes ne supportent pas le jus de citron, si c'est votre cas, euh, par exemple avec une, une orange pressée ou un pamplemousse pressé aussi, euh, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Donc une demi-orange, demi, un demi-pamplemousse pressé dans, du, dans de l'eau tiède également, euh, ça peut être intéressant. Petit aparté sur le jus de pamplemousse... Euh, attention parce que notamment il est préférable de ne pas consommer de pamplemousse lorsque vous êtes en prise médicamenteuse parce qu'il peut avoir des effets soit d'amplificateur des effets des médicaments soit au contraire euh, va inhiber et stopper l'action euh, de votre médicament donc euh, si vous êtes en prise médicamenteuse privilégiez plutôt le citron voire l'orange euh, pressée euh, dans de l'eau tiède et ensuite il y a d'autres différentes techniques naturelles au-delà de l'alimentation pour prendre soin de votre foie. Donc on va y trouver euh, par exemple la bouillotte euh, chaude. Donc le fait de placer une bouillotte chaude sur votre foie, moi c'est quelque chose que je fais euh, on va dire dès l'entrée à l'hiver, même à partir de octobre, novembre, quand, quand il commence à faire un petit peu froid, euh, tous les soirs après mon dîner, je place une bouillotte chaude au niveau de mon foie, donc à l'opposé du cœur, hein, pour, pour être plus explicite, puisque le foie en fait a besoin de chaleur pour être plus actif et plus fonctionnel. C'est l'organe le plus chaud du corps. La chaleur va permettre de vasodilater les différents vaisseaux capillaires, donc d'augmenter les échanges sanguins et activer la fonction éliminatrice du foie. Autre chose, le fait de pratiquer une activité euh, sportive. Le foie, euh, comme euh, tous les autres d'ailleurs viscères, a besoin en fait d'un pompage mécanique euh, régulier pour bien fonctionner. Et euh, c'est le diaphragme, par le biais notamment de la respiration, qui va permettre... Euh, ce pompage et du coup l'activité physique va euh, stimuler ce muscle euh, de manière vraiment très spécifique et ce qui est aussi intéressant du coup c'est également de pratiquer euh, des respirations profondes puisqu'on voit aussi euh, avec le mouvement du diaphragme en tout cas engendré par la respiration euh, assez euh, euh, ample euh, de réaliser ce, ce mouvement de pompage Ensuite, si vous n'êtes pas vraiment d'un tempérament très, très sportif, bien que je vous encourage tout de même à ne pas être sédentaire pour différentes raisons, notamment celui-ci, pas celle-ci, mais pour toute, pour juste votre bien-être général, aussi bien physique que mental. Euh, mais si voilà, vous ne si faites pas du sport tous les jours, ce n'est pas forcément la peine de faire du sport tous les jours pendant une heure, une heure et demie, si ce n'est pas dans votre tempérament. Mais au moins marcher quotidiennement 15 minutes ou courez sur place pendant 5 minutes par exemple, juste pour venir activer justement euh, ces mouvements de pompage euh, qui vont permettre au foie de bien euh, fonctionner. Et à toutes les viscères d'ailleurs aussi, aux intestins, pour avoir également une meilleure digestion, etc. Donc euh, l'activité physique est aussi euh, importante pour prendre soin de son foie. Donc là, on a vu différentes choses déjà. Euh, on a vu euh, déjà à quoi servait le foie. Comment savoir si on a le foie, si on a un foie qui est fatigué et quelles sont éventuellement les causes de cette fatigue-là. On a vu aussi comment on pouvait euh, chouchouter et prendre soin de notre foie de manière vraiment... Quotidienne, et ça et ce, même si vous n'avez pas de problème de foie, j'ai envie de dire. Donc, euh, les aliments à éviter, les aliments plutôt à privilégier, et également euh, deux techniques naturelles que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, à savoir la bouillotte et euh, l'activité physique. Maintenant, je vous propose pour terminer l'épisode euh, de vous parler du cas spécifique où vous souhaitez nettoyer euh, votre foi. Donc là, on est plus sur des choses occasionnelles qui peuvent être réalisés en accompagnement d'un professionnel comme un naturopathe enfin, en tout cas ça c'est mon conseil puisqu'on est vraiment sur des choses spécifiques à ne pas reproduire de manière systématique et qui doivent être adaptées en fonction de votre terrain, de votre constitution et de votre tempérament. Donc à savoir je vais vous présenter quatre manières, quatre techniques qui vont vous permettre de nettoyer, votre foie de manière, on va dire, occasionnelle, encore une fois. Première chose, les jeûnes. Donc, effectivement, pour prendre soin de son foie, pour le nettoyer, il y a quelque chose de très efficace qui est le jeûne. Le fait de mettre son système digestif au repos va permettre au foie de se nettoyer naturellement et donc de se réparer. Bien oui, parce que si jamais vous continuez à lui donner plein de nourriture, de manière assez intempestive et régulière, comment voulez-vous qu'ils prennent le temps de se réparer, sachant qu'encore une fois, je le répète, la digestion prend énormément d'énergie pour le corps. Donc c'est assez important, c'est en tout cas assez efficace de tout simplement le mettre au repos. Il y a différentes manières, différentes variantes de réaliser un jeûne. On peut même en fait jeûner en mangeant, d'ailleurs ça s'appelle la monodiète tout simplement. Donc la monodiète, le fait de manger qu'un seul type d'aliment dans, euh, dans un repas, au cours d'un repas, voire dans une journée. Donc il y a différentes manières aussi de réaliser la monodiète. Euh, on a également le jeûne intermittent qui permet d'avoir une phase de prise alimentaire et puis une grande phase euh, de repos digestif. Et là encore une fois, il y a différentes variantes. Euh, il y a la variante du, euh, bah, par exemple, de, de 16 heures de jeûne, donc 16 heures où on ne mange pas et 8 heures où on mange, donc la plage de nourriture est de 8 heures seulement. Euh, il y a aussi le jeûne où potentiellement on ne fait qu'un repas par jour, donc le, la fourchette, en tout cas l'intervalle euh, où le, le système digestif de repos est encore un peu plus important. On a aussi le jeûne hydrique, donc là c'est seulement du jeûne à l'eau, à l'infusion avec des plantes, etc. On a aussi le jeûne au jus qui peut aussi continuer à apporter de certains minéraux, etc. Donc le jeûne peut effectivement prendre différentes formes peut se réaliser sur différentes Durée. Euh, mais le fait de, rentrer, voilà, de faire rentrer cette pratique de jeûne dans une routine d'hygiène de, de vie qui soit euh, on va dire régulière, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, une cure de plusieurs jours d'affilée, euh, une fois ou deux fois dans l'année, bref, euh, ça peut être en tout cas une bonne manière de venir préserver et de venir régénérer votre foie. Alors ça ne veut pas forcément dire non plus que les personnes qui sont atteintes on va dire de troubles hépatiques fonctionnels sont euh, condamnées à réaliser des jeûnes toute leur vie. Mais euh, c'est en tout cas la première solution assez simple entre guillemets et naturelle pour laisser en fait le temps au foie de se nettoyer euh, et de se réparer. Pour, euh, pour cette technique là et pour les autres aussi, moi je vous rajoute conseille également de vous rapprocher d'un naturopathe, voire d'un praticien en Ayurveda si vous êtes plus sensible à l'ayurveda. Mais euh, un jeûne, en tout cas, devrait, à mon sens, se faire de manière accompagnée, en tout cas si c'est la première fois pour vous. Deuxième technique, c'est euh, d'utiliser, en tout cas, de consommer le euh, desmodium. Alors le desmodium, c'est quoi C'est une plante qui est anti-inflammatoire et très efficace euh, pour le foie. Contrairement à, à d'autres plantes euh, hépatiques, euh, par exemple l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, etc., qu'on peut utiliser de manière assez régulière pour juste chouchouter son foie, j'ai envie de dire, mais qui vont plus avoir euh, un, une action euh, drainante, donc d'élimination. Par contre, desmodium, au-delà d'avoir de, une action drainante, va vraiment venir réparer en fait euh, le foie. Elle est particulièrement conseillée lorsque euh, par exemple les enzymes transaminases euh, sont un peu élevées dans le bilan sanguin de votre foie. Euh, donc euh, par exemple si vous faites un, un bilan sanguin, regardez euh, cette, euh, votre taux de transaminase et si c'est un petit peu élevé, pourquoi pas euh, faire une cure de desmodium. Les molécules en fait actives qui sont contenues dans cette plante-là vont favoriser la régénération des hépatocytes, qui sont les cellules du foie. C'est donc un allié vraiment assez judicieux pour quasiment tous les problèmes hépatiques. Donc la cure moyenne conseillée, donc moyenne encore une fois, c'est un, vraiment du global, ce n'est pas du spécifique. Et chez l'adulte, c'est environ 5 à 15 ml par jour pendant 21 jours environ. Et une cure par an peut suffire. Tout dépend de votre trouble euh, hépatique, euh, tout dépend également euh, si vous avez pris des médicaments euh, pendant une longue durée euh, au préalable et donc l'état de votre foie. Troisième technique, c'est bah, tout simplement la séance d'ostéopathie. Pourquoi Parce que l'ostéopathe va venir euh, drainer le foie manuellement vous pouvez très bien vous rapprocher de votre naturopathe et de, vous, de lui demander de vous faire une, une séance spécifique pour le foie euh, et en fait c'est ce qu'on appelle le pompage euh, du foie l'ostéopathe va euh, également permettre de favoriser la souplesse de tout en fait ce qui entoure euh, votre foie, à savoir euh, le diaphragme par exemple, ou aussi ce qu'on appelle le petit euh, omentum, c'est le, euh, le fascia entre euh, l'estomac et le foie, euh, mais également tout ce qui va être en rapport avec le rein, etc. Donc il va s'occuper bien sûr du foie, mais aussi tout ce qui aux alentours, puisqu'il faut savoir, vous imaginez très bien qu'à l'intérieur de vous, euh, tous les organes sont un petit peu imbriqués, les uns dans les autres. Et euh, bah des fois, euh, la souffrance de l'un ou en tout cas une mauvaise position d'un organe peut engendrer une souffrance d'un autre organe à côté. Donc, euh, l'approche assez euh, à la fois spécifique et globale de l'ostéopathe peut être très très euh, judicieuse et, et intéressante dans ce cas-là. Il va aussi permettre d'assouplir toutes les côtes qui entourent l'organe, et si vous avez euh, potentiellement une côte un petit peu déplacée, etc., ça peut venir appuyer euh, votre votre foie, appuyer sur votre foie, et donc le mettre en souffrance. Et donc en améliorant tout ce qui est structure euh, mécanique euh, donc de votre ossature et la circulation euh, des fluides, finalement la physiologie de votre foie peut euh, en être améliorée également. Et dernière chose qui peut être intéressante pour venir euh, nettoyer votre foie, c'est d'avoir recours à la nutrithérapie, et notamment le soufre. Donc le soufre, c'est euh, on va dire le nettoyeur des organes et notamment du foie et de la vésicule biliaire. Alors il faut plutôt le prendre de manière progressive puisque euh, c'est assez puissant et euh, chez certaines personnes ça peut engendrer des effets secondaires pouvant être plus ou moins gênant quand même. Donc c'est important de le préciser. Et encore une fois, dès que vous avez recours à des compléments alimentaires comme cela, euh, vaut mieux le faire en étant conseillé par euh, au moins un parapharmacie, une pharmacie, votre médecin, votre naturopathe, euh, qui saura vraiment euh, beaucoup mieux vous guider sur euh, la durée de votre cure, sur la dose et euh, ajuster les choses par rapport aussi aux effets secondaires que vous allez pouvoir éventuellement euh, vivre si c'est le cas. Vous pouvez aussi ne pas avoir du tout d'effet secondaire, hein. je ne veux pas forcément vous mettre vous effrayer, mais en tout cas c'est quelque chose à avoir en tête. Donc voilà les quatre techniques qui peuvent permettre de nettoyer de manière plus impactante, on va dire plus en profondeur votre foie. Des techniques qui sont à réaliser de manière occasionnelle, idéalement accompagnée, mais toujours naturelle. Alors, dernière remarque et très importante, c'est que tous ces conseils en tout fait, certains de ces conseils ne sont pas adaptés aux femmes enceintes ou aux femmes qui sont en projet de grossesse donc surtout si c'est votre cas si vous m'écoutez si c'est votre cas euh, demandez conseil euh, à votre sage femme ou à votre naturopathe pour euh, pouvoir vous permettre euh, de réaliser éventuellement cette pur dé pour détoxifier votre foie, pour le nettoyer, puisque effectivement quand on est enceinte ou en projet de grossesse, c'est important aussi d'avoir quand même un organisme qui soit en bonne santé, des organes qui fonctionnent bien, surtout dans le cas où on accueille un, un, nouvel, un nouvel être qui va aussi bah, euh, engendrer des quelques troubles, il va, il va venir compresser certains organes, etc. Donc c'est important de, de, de bien... Euh, de bien s'assurer que tous ces organes fonctionnent bien. Néanmoins, c'est un cas spécifique où là, pour le coup, je vous encourage très, très, très vivement à ne pas mettre en place ces conseils-là seuls, mais bien accompagnés. Merci pour votre écoute. J'espère que ce sujet autour d'un émonctoire très important vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres épisodes sur d'autres émonctoires comme la peau, les intestins les reins par exemple ou les poumons, euh, n'hésitez pas à me le dire. Euh, n'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode sur Apple Podcast ou à m'envoyer un message sur Instagram avec son rapportail Naturo ou encore via mon site internet hygiène de vie.fr. Euh, comme d'habitude, je mettrai toutes les informations abordées aujourd'hui qui sont assez nombreuses. Et quelques liens supplémentaires également dans les notes PDF téléchargeables gratuitement sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, je vous rappelle également que j'ai créé un Patreon qui est une plateforme communautaire pour laquelle je crée en plus du contenu totalement inédits que vous ne retrouverez pas sur mon site internet, ni mes réseaux sociaux, ni euh, ma chaîne de podcast. Et je réponds également à toutes les questions euh, spécifiques que ma communauté peut me poser. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Le lien est également en description de l'épisode. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao